Hello, salut à tous, c'est Harry, on se retrouve avec Yield. Et salut à tous, comment ça va? Moi ça va très bien et on est sur Amnesia avec Harry. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour quand je viens de faire l'intro. Ah, j'ai un marteau. T'as où ça? J'ai pas un marteau, wesh. Avec une scie. Ah ouais. Vas-y, je vais frapper le... Ah, on peut le prendre le marteau. Attends, je le prendrai comme un arc, wesh. On peut le prendre comme un arc? Ah ouais. Non, mais non. Si. Ah, il si y a du truc gluant là. Alors, Yelda ne connaît plus, ne sait plus ce qui se passe par ici. Donc je flippe un peu. En plus, ma lanterne elle a presque plus d'huile. Moi j'ai trop plein d'huile, wesh. L'autre il est dans le noir à moitié. Moi, oh, il y a des bruits flippants. Soyez prudent lorsque vos ennemis sont proches. Ça annonce de la merde ça. Ça annonce du gros caca. Je rentre dans l'immersion maintenant. Ah. Soyez prudent. Ah ouais, oh putain, il y a un zombie là-bas. Je l'ai vu. Ah oui, c'est ici. Ouais, ah oui, ça y est, je me rappelle. Je l'ai vu passer, wesh. Tu te baisses aussi parce que du coup, il te voit moins. Ça fait quoi si je le poursuis? Je suis dans le noir. Je meurs. Ah. Bonjour monsieur le zombie. Attends, je suis en train de courser le zombie, wesh. Vas-y, j'ai peur, wesh. Ah merde, il bouge pas ce con. Vas-y, je l'ai vu passer. Oh putain, c'est trop flippant là. Putain. Je sais pas où aller, wesh. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il est parti. Et j'ai plus de mamadou, wesh. J'ai une porte là, j'ai peur de l'ouvrir. Vas-y, ouvre là, je crois qu'il y a rien. Je crois. Je la ferme, on sait jamais. Oh putain. Oh putain. Ah y a de l'huile. Non, j'ai plus de lanterne. Y'a de l'huile dedans, y'a de l'huile dans la porte. Dans la. Enfin, voilà, dans la hache. Non mais je suis pas au même endroit que toi je crois. Ah mince. Je suis en train dans une autre salle moi. Putain je flippe. Hé hey, pourquoi elle s'est ouverte comme ça la porte? Ah j'ai une boîte de mamadou. Attends je vais allumer une petite lumière. Ah putain. C'est bon j'allume une lumière. Ah y'a du truc. Attends, tu sais partout. Quoi. Hop. Voilà. Ferme la porte toi. De l'huile, s'il vous plaît. Tu la veux, mon huile, hein? De l'huile, oui. Ah, y'a des mouches, wesh, je pue. Moi, je m'amuse à éclater les bouteilles. Je pue le caca, wesh. Vas-y, c'est quoi cette bouteille? Elle défonce la note. Porte. J'ai une note. Ah, moi aussi, j'ai une note ici. Plus d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière entrée. Après l'événement à l'intérieur de la chambre souterraine en Algérie. Ok, c'est cool. Ouais, d'accord. Ouais, bon, je suis plus rien. Ok, bah, on passe là. Je suis au même endroit que toi, je crois. Enfin, je crois. Attends, mais... j'ai une fiole là. J'ai ramassé du ladanum. Bon, je vais le boire. Voilà. Ah, ça améliore ma santé physique. Oui. Équilibre mental. La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent. C'est bloqué de l'autre côté. Oh, maman. Oh, pinaise. Ah, c'est trop bon. Je m'éclate avec la porte. Pardon. Ok, alors je crois que le zombie il est passé par là justement. Ok. Faites gaffe, j'ai une agrafeuse. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, c'est quoi de ça? De l'huile, c'est de l'huile, oui, 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 de l'huile. C'est bon, je peux allumer ma lanterne. Ouf, ça va déjà un petit peu mieux. Fermé. Un petit peu, j'ai. Je suis revenu dans la grande pièce avec les caves à vin là. Il faut que t'ailles dans une machin. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu me fais flipper, wesh! En plus, j'ai envie de pisser. Oh putain! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait un bruit. Et puis. Attends, j'allume. Ma santé mentale est au bord. Ah non, elle est même plus au bord d'expression, elle a trois petits points. Ah, c'est chiant quand c'est comme ça. Putain, ça m'a fait flipper. Ça fait un truc bizarre, ça fait... Et après, t'as la porte, elle fait... Et voilà, j'ai peur, maman. Mais t'es où, là? Je sais pas, je suis dans une salle. D'accord. Maintenant, je vais me... En fait, je crois que je suis passé par la mauvaise salle. Y'a quelqu'un? Putain, y'a du sang par terre, wesh. Putain, ils ont tout rouvert. Je sais plus si j'avais fermé, ici. Putain. Oh... Ah, il y a une porte là.
Il y a une porte qui est... Si tu trouves une porte fermée, voilà, donc c'est celle-là. Ouais, je l'ai moi la porte fermée. Ah putain! Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Putain, tu me fais flipper, mec, arrête, j'ai peur. Putain! Ça y est, je suis dans l'immersion du truc là. Fais flipper. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai peur. Attends, je prends une. Vas-y, bouh, putain, ça me le repère même pas mon équipe mentale. Non, c'est juste la boue là, ça m'a fait mal, là, le truc visqueux. Putain, Putain. maintenant il y a des cris. Et la porte qui est fermée, on en fait quoi? Tu vas à droite de la fermée, t'as des blocs. Non, c'est pas Minecraft, hein. Et tu les enlèves et t'as un trou. Tu passes dedans. J'ai peur. Ouh! J'ai peur qu'il y ait le zombie derrière moi. Putain, il y a eu un bruit de porte. Ah non, non, j'ai plus de lanterne. Économiser sa lanterne, tu dois. Oh, comment je l'ai trop bien fait, wesh. Vas-y, je rebouche l'entrée, wesh. Ah, cool. Ce baril contient quelques gouttes. Hey! Oh putain. Oh putain. Dans le baril. Oh. Putain, 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 j'entends le zombie. Où Je crois, ça? je suis pas sûr. J'ai eu un putain de gros bruit horrible. Oui, moi aussi je l'ai eu, mais je sais rien en fait. Il y a une lampe qui est déjà ouverte. T'as un baril au fond de la pièce si tu cherches, il y a de l'huile dedans. Ouais. Le baril ne contient pas d'huile. Ouais, bah moi aussi ça m'a fait Ah la mais, ah mais, elle est remplie. Oh, elle est remplie. Oh. Ouais, elle est remplie. Enfin, Alléluia! Putain, c'est chiant ce truc là de... Il y a un... C'est chiant. La trappe est trop lourde pour être soulevée à la main. Alors attends, le fil mène vers où? Là. J'ai trouvé la manivelle pour le fil. Ok, quelque chose détruit la manivelle. Ah, il y a Oh un merde. pieu. Faut l'enlever. Regarde le fil, t'as un pieu qui coince. Attends, là j'ai. Ah bah j'ai une porte, c'est bon. Putain, j'aime pas comment ça fait. Bon, allez, je l'ouvre. Ah c'est bon, j'ai pété le truc de la trappe. Ok, moi je l'ai ouverte la trappe. Ah, ça y est, c'est le coin que j'aime pas. Pourquoi? Parce que tu connais pas? Si, si, je connais là. J'aime pas du tout. En fait, là tu vas avancer. Tout va se remplir Ouais. d'eau. Et tu dois. Putain! Tu vas ça va se remplir d'eau. Et là, tu dois vite aller trouver monter sur une caisse. Putain, c'est pire que le Kiki Horror, je crois. Non, c'est moins pire, je sais pas en fait. D'ailleurs, Kiku a Kiki, si regarde, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et bravo à lui pour son Kiki Horror Show parce qu'il a fait à moitié une crise cardiaque. Ok, bon, je t'attends aux archives. Là, je dois Oh passer putain, aux archives. je suis passé dans la trappe. Ok, bah vas-y, avance 3, y a rien. Par contre, là, t'as l'archive du sous-sol, donc j'y vais. Attends, moi je crois que. Ah voilà, archive du sous-sol, j'y vais aussi. Voilà. Et là, derrière, donc tu vas arriver, y aura rien. Et là, tu vas avancer, ça va faire un truc bizarre et tout va être plein d'eau. Voilà, c'est ici, ouais. Donc là, tu te diriges direct vers les caisses qui sont devant toi et tu sautes. Oh putain, attends. Il fait tout noir là. Il fait Voilà. tout noir, wesh. Fonce sur une caisse. C'est bon, je suis sur une caisse. Voilà, alors maintenant. Y'a un mec qui marche là. Y'a un mec qui marche. Ouais, c'est une sorte de poisson, j'ai jamais compris ce que c'était. Alors là, je t'explique ce qu'il faut que tu fasses. C'est. Tu vois le. T'es sur la première caisse, je suppose. Ouais. En face de toi, t'as une porte sans porte. Ouais. Il faut que t'ailles dedans. Ouais. Donc tu sautes de caisse en caisse. Oh putain. Bon, par contre, là, tu vas devoir sprinter pour passer la porte. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Et donc, non, tu passes dans la pièce là. Non, pas encore. Voilà. Ah putain. C'est bon, je suis dans la pièce. Ok, donc tu vas aller jusqu'au fond de la pièce, tu vas voir un levier. Ouais, je le vois. Alors, donc tu vas aller dessus, tu vas le lever et tu vas vite repartir pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire de l'autre côté. Bah, tu sors de la porte et voilà, tu vas voir, tu vas tout droit en fait. C'est-à-dire. Bah, tu sors de la porte, Attends, tu Ouais, portes c'est fait. cette salle. Ouais, je suis sorti de Ouais. la salle. T'as activé le levier? Ouais. Ok, bah tu sors. Attends, je le fais aussi, putain. Tu vas tout droit, tu continues le chemin. Oh putain. Oh putain. Je vois que dalle. Je vais allumer la lumière. Hop là. Ah putain, putain, putain. Là, tu vas sur la salle de gauche, tu continues tout droit.
Oh putain. Et en fait, le levier a activé une herse. Il faut vite se dépêcher d'aller sur la herse pour pas qu'elle se ferme. Mais elle est où la herse? Et continue tout droit. Ouf, je suis passé moi. Ou juste à temps. Ah merde, moi elle est fermée depuis des millénaires. Ah merde, bon bah faut que tu railles au levier. Oh putain. Mais il y a un truc qui me suit dans l'eau et c'est ça qui me tue en fait. Ça t'a tué. Bah faut que t'ailles rapide, c'est pour ça. Faut que tu t'ailles de caisse en caisse et être rapide. Putain. C'est ça qui me fait flipper dans cette merde. Mais il est super chiant ce passage. Oh putain! Aïe 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 aïe. Fuck. Ah putain putain putain. Ouais, j'ai encore mon flacon chimique. Attention, je le lève et je cours. J'ai pas un truc. Attends, du coup je fais pause pour t'attendre parce que moi du coup ça m'utilise la lui. Oh putain. Ça fait des putains de bruits ce machin. Ouais, c'est. Vite, vite, vite. Allez, vite, je suis devant. Bordel, dégage. C'est bon, je suis passé. Oh, alors, putain. Donc là, t'as un autre poisson, malheureusement. Je suis désolé. Oh merde, c'est pas un poisson. Je sais pas du tout ce que c'est. Et donc, sauf que tu as une caisse où tu as des membres. Oui, je suis dessus là. Voilà. C'est Rocco Siffredi qui est passé par là. C'est asiatique. Ah. Enfin bref. Donc ce poisson là, enfin le truc invisible, tu lui lances un membre et il va aller le bouffer. Et ça fait une diversion. D'accord, donc je viens déjà d'utiliser tous les membres. Ah, mais je dois aller où en fait? Attends, t'attends que le machin il ça devient rouge comme s'il ah bouffait. Ah, il a tout bouffé. Il gobe. Mais voilà, je vais où en fait dans la salle? Tu vas juste au fond de la salle. Ok, tac, je balance. Allez, vas-y, va là-bas. Oh putain, putain, il me suit. Mais y a la porte qui est fermée. C'est pas grave, monte sur les caisses à droite. Ouais, c'est bon, j'ai des membres dessus. Voilà, alors les membres, tu vas les jeter pour, enfin au moins un, pour qu'il aille le bouffer. Et bah attends, avant de faire ça, tu vois la manivelle qui est à côté de la porte? Putain, oui, je la vois. Alors en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est lui donner le membre à bouffer, attendre qu'il aille le bouffer, et pendant qu'il est en train de bouffer, tu vas aller activer la manivelle pour lever la porte. Okay, ça va être très chaud. T'es prêt? Attends, bah, j'ai déjà lancé le membre. Ok. Allez. Allez, va le bouffer. Toi. Il faut attendre que ça soit rouge le pour que voir qu'il est en train de le bouffer. Allez, bouffe-le. T'en veux un autre? C'est bon, il est en train de le bouffer. Allez, bouffe-le. Ok, il le bouffe. Ok. Tourne, putain. Allez. Pêche-toi. C'est bon. Je suis passé. Pareil. Mais viens vers moi. Non. Dégage, aïe, putain, aïe. Il m'a tué. Putain, moi il m'a pas encore eu. Ouf. La chair morte peut servir de distraction. Ouais, ça va, je sais. Par contre, je crois que j'ai pris cher. Ouais, je suis à peine conscient. J'ai pris bien cher comme il faut. Bon alors, où est-ce que je reprends moi? Oh putain, je reprends tout au début de la salle avec les membres. Bon, ça va. Je t'attends. Ah putain. Fait peut-être une ellipse, je sais pas. Ouais. Ah putain. Putain, c'est flippant cette merde. Toi aussi tu fais une ellipse? Non, bah non. Okay. Je suis toujours là-bas. Ok, c'est bon, il le bouffe. Et cours, putain, cours. Oh putain, c'est bon. Et après tu dois, au fond tu dois ouvrir la porte et la fermer pour pas qu'il passe. Ouais. Sinon t'es dans la merde. Putain, tout à l'heure je l'avais ouverte mais il m'a rattrapé ce con. Il m'a fait super mal. Je prends un coup et je meurs. N'importe quoi. Pour l'instant j'ai un léger mal de tête et au niveau santé tout est ok. Alors, tu y es? Attends, j'ai lancé un membre, mais il est trop proche de moi. Faudrait que je le lance vachement plus loin. Des fois, il va pas le bouffer, c'est chiant.
Ouais, c'est ça qui est chiant, en fait. Genre une jambe, il aime pas, il aime bien les mains ou le torse. Attends, il va vers le membre. C'est bon, il le bouffe. Ok, vite à la manivelle. Je tente. C'est pas obligatoire que tu l'ouvres entièrement. Je tu l'ouvres à moitié et puis tu te couches. Enfin, tu te baisses. C'est bon, j'ai la porte fermée. Oh putain. Re les amis, alors désolé cette petite ellipse. Bon bah on va continuer. Là je peux aller dans l'eau, c'est bon? Ouais, tu peux aller dans l'eau. Oh putain, il défonce la porte. Non, en fait fonce. C'est fermé avec clé. Putain, faut trouver une clé. What the fuck. Oh le bâtard. C'est bon, j'ai la clé. J'ai la clé. Ah non, j'ai une aiguille creuse. C'est pas grave, ça sert de clé. Tu utilises la clé contre la... Allez, avance. C'est bon, je suis passé. C'est bon. Putain, il pète la porte en plus, ce oh, bâtard. Putain. Oh le con. A mon avis, si tu meurs à ce stade-là, ça doit te remettre dans la même salle, enfin, dans la salle avec la clé. Ok, alors c'est encore dans l'eau, mais apparemment il n'y a pas de monstre. Ouais. J'ouvre une porte. Ouais, pareil. Il a l'air de rien avoir, je referme derrière moi, si jamais. Oh putain. Ouais, oh non, il est encore là. Fonce. Putain. Fonce. Dégage. Putain, il pète la porte, continue tout droit. Il y a encore une autre porte, il y a plein de portes. Je vais à gauche ou à droite? À gauche. Tu n'importe quoi, c'est non, on s'en fout, c'est la même chose. Putain, fonce. Fonce Bernard, fonce Roger, Michel, Bernard. Ok, faut aller où? Il est juste derrière moi, putain. Putain, c'est un labyrinthe. Merde. Je suis parti à droite, moi. Moi, je suis parti n'importe où. On a pété. Ouais, en fait, pareil. Oh, je suis dans le patio. J'ai laissé une porte ouverte. Mais quel con. Patio, patio. Oh putain, c'est bon, je suis dans le patio. Ah, toi aussi. On est au même endroit. Ah putain. Alors là, par contre, je te promets, je ne sais absolument pas ce qu'il y a après. Enfin, normalement. Bon, il y a de la lumière, hein, déjà. C'est plutôt accueillant. C'est bon, il n'y a plus d'eau. Ouais, mais au moins il y a de la lumière. C'est plutôt ouais. Ouh, là je le sens pas. Oh, je le sens très mal aussi. J'ai peur d'avancer. Vas-y, attends, j'avance. J'avance en mode accroupi soumis. J'avance. Je suis dans le patio. Oh putain. Il y a une... Non, ça va, c'est calme. Il y a eu un souffle. Oula. Il y a une musique assez calme. Il y a un corps dans. Ah, dans... Il y a un corps. Non, c'est bizarre comme corps. Attends, on peut le toucher. Ouais. C'est rigolo. C'est rigolo. Je touche le kiki. T'es con. Ça fait j'plouf. Bref, je vais vers la porte qui s'est ouverte avec le coup devant. Ouais, bah attends, j'y vais aussi. Là. Ah non, c'est bon. En fait, il est vachement beau le genre. Enfin, ouais, c'est. Enfin, beau entre guillemets, il est pas vraiment beau. Ouais, très joli. Putain, c'est bizarre quand même comme motion blur. Oula. Est-ce que je referme la porte? Ouais, je referme la porte. Je vais pas fermer moi. Bon, je referme. Oh là, j'ai un peu peur là. Oh, c'est tout blanc, il va parler. Putain, c'est un ascenseur. Dans un ascenseur. Ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est à ce moment-là que j'ai eu un bug et que j'ai pas pu continuer l'aventure il y a très longtemps. Est-ce que je vais tout droit? Non, ça sert à rien. Enfin, essaye, mais de toute façon, si je me rappelle bien, il veut dire que le... Attends, l'ascenseur il ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Il faut. Si je me rappelle bien, il faut trouver des. Pas des piles, mais des fusibles. Et mettre de nouveau. Enfin, changer les fusibles du truc. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai eu un bug et que j'ai pas pu continuer l'aventure et que ça m'a saoulé. Bon, je vais dans la salle des machines perso. Tu y es ou pas? Attends, je crois que je vois où c'est. Salle des machines. Cette porte est fermée à clé. Oh fuck, j'attendais comme un con. Attends, parce qu'il dit des trucs dans le mémo. Alors, trouver la clé qui ouvre la porte menant à la salle 1. Trouver un moyen de mettre en marche le moteur qui active l'ascenseur. Ok. Putain, il y a un aigle là, il est magnifique. Ah ouais, je sais pas, on dirait un nazi. Hein. Je sais pas, ça fait un peu ambiance nazi. Je sais pas, c'est moi. Les aigles là, ils font trop nazi, je trouve. Ouais, c'est génial dans une vidéo ça.
Je sais pas, c'est bizarre. C'est avec les machins rouges sur les côtés. Attends, il y a la chambre d'invité et les études. On va dans études ou chambre d'invité? Attends, mais t'es où là en fait? J'ai pas su. Je sais pas, je suis sorti, j'ai monté les escaliers. Attends, j'arrive. En tout cas, c'est assez illuminé, c'est assez accueillant pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Il me Putain, semble qu'ici on flippe bien putain, comme il j'ai presque plus d'huile. Ah, mec, on a toujours l'aiguille creuse. faut. Ouais. Bah, pourquoi on l'a pas utilisée là-bas? Parce que je pense pas qu'elle soit. Attends, Enfin. je vais tester. Reste où t'es, je vais tester. Ok. Parce qu'à mon avis, si on est là, c'est qu'il y a bien une raison. Essaye avec le flacon chimique, on sait jamais. On ne pouvait pas utiliser l'objet de cette façon. Ok, donc on peut pas utiliser l'aiguille. Est-ce qu'on peut assembler les objets? Non. Alors juste au niveau de la durée des épisodes, je sais pas du tout combien de temps ça fait tout ça, donc ça va être vraiment à l'arrache à mon avis. Ouais, voilà. Alors on va dans quoi? Dans chambre d'invité ou dans études? Comme tu veux. Allez, études. Ok, étude. Enfin, il faut quand même qu'on m'explique quoi. J'avais joué une première fois, j'étais en minimum, je laguais. Là, je joue en élevé, je lag pas quoi. C'est qu'on m'explique. Il y a peut-être eu des optimisations. Je crois pas. Alors, je suis dans la salle d'études. Enfin, Attends, mais t'as encore un fardement, ouais. ce qu'il en reste. Ah, c'est-à-dire qu'elle défonçait, c'est ça. Totalement. Bon, non, moi j'ai rien, c'est joli. Rentre dans une salle. Ah ouais, d'accord. Je ferme la porte, je la fouille. Oh, je la Oh, fouille. j'ai une boîte de Mamadou. Oh oui. Est-ce que je peux allumer quelque chose ici? Oh non, ça sert à rien, ça fait passer de lumière. Oh, il y a la lampe d'Ali Baba, non, d'Aladin. Ah, attends, Attends, moi il y a un génie. je Il y a un continue dans une génie. grande salle. Oh putain, j'ai une salle assez rectangulaire. Ah! Oh putain, il y a la vitre qui s'est brisée. Moi, je m'en fous. Les carreaux craquelés de la fenêtre sont maintenus ensemble par une armature en bois faible. J'ai une statue avec moi. J'ai peur là. J'ai peur. J'ai une statue en or avec moi. Rien ne peut m'arriver. Oh putain, là c'est tout éboulé là. J'ai c'est qui en fait? J'ai un mec avec une épée en statue en or. Attends, j'ai une porte là. Oh putain. Merde, j'ai plus de lanterne. C'est illuminé là-dedans. Blablabla, là sur la 2 en deuxième langue. J'ai pas envie de lire. Il y a quoi ici? Je suis dans une salle carrée avec une grande table centrale et du sang dessus. Oh, c'est accueillant. Moi j'ai la musique genre. Je sais pas, une musique qui fait peur. Moi j'ai pas de musique. Je suis dans une salle avec un tableau. Moi je me protège avec une statue. Là j'ai un livre. Moi je me protège avec un livre. Ah, attends, je vais le balancer dans le feu. Ça marche pas. Non, ça fait rien. Ça. Oh, il y a des testiboules. Non, bon, ok. Je me Ah, protège ça y est. avec un pot à encre. Moi, j'ai pas toujours pas eu de fenêtre qui se brisait. Hein. Mais si, dans ton inventaire, tout à l'heure, quand on est sorti. Moi, j'ai pas eu de truc qui faisait poum. Il y a un truc qui faisait poum. Bon, bah maintenant, moi, je vais me protéger avec une tête de chien. Ah, attends, Tête de chien. y a quelqu'un qui parle. Tête de Voyons ce chien. que tu as à offrir. Ah, il parle d'un chien. Oh non, il est en train de trucider un chien. Oh, quel enculé. Quel désastre, j'aurais dû affuser la scie. Oh non, Ah, c'est oui, je ignoble. l'ai aussi. Je peux le sentir, c'est vraiment là. Oh, c'est dégueulasse. Ah. Pauvre chien. Ah! Il y a un truc qui a cassé. Pauvre chien. Bon, moi, c'est un lapin qui a la rage. Ah non, il a pas la rage. Bon, c'est un. Non, c'est pas même pas un lapin, je sais pas ce que c'est. Qui va me protéger. C'est un lapin enragé qui va me protéger, voilà. J'ai peur. Ah, c'est bien, il ouvre la porte.
Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai peur. Oui, j'aime pas sa tête à lui. Attends, parce qu'il y a une porte que j'ai pas ouverte tout à l'heure. Tu veux quoi, toi? J'entends des chiens. Y'a rien. Putain, je suis dans une salle. C'est quoi ça? C'est ça. J'ai peur là, je flippe. J'entendais un bruit. Ah, ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, j'ai ouvert un placard, il y avait plein de motherfucking. C'est cette merde là, là, des os, voilà. Allez, protège-moi, petit lapin. Des prêts enragés. J'ai une note. Ah bon, d'élève, ok, je m'en fous. C'est toi la note, wesh. Y a un truc dehors. Y a une musique qui fait un peu peur. Mais t'es sorti de la salle et tout là? Oh, je suis dans une salle avec plein de bibliothèques là en fait. Au tout début? Ouais, au tout début quand je suis rentré à gauche. Oh, mais j'ai déjà fait depuis longtemps ça. Ouais, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Y a un truc éboulé. Éboulé, ça veut dire quoi éboulé? Je sais pas. Trouver un moyen. Non. Ouais, je dis, y a tout un truc qui est par terre là. Ouais. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oh, 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 oh. Putain, tu me fais flipper, t'es con. Ah, mais y'a la caméra qui bouge bizarrement là. Oh. De l'huile. T'as trouvé de l'huile? Les carreaux craqués de la fenêtre sont maintenant ensemble pour une arme. Sont maintenus ensemble pour. Moi je dis faut le péter ça. De quoi? La fenêtre? Ouais, faut péter la fenêtre, c'est ce que je pensais. Ouais. Mais avec quoi? Moi j'ai fait ça avec un lapin enragé. D'accord, donc faut prendre n'importe quoi. Je vais prendre un marteau. Non, avec une chaise. Bah moi j'ai pris un lapin enragé. Par contre, du coup là c'est une phase de. Comment on appelle ça déjà? Ouais, je suis dehors. Ouais, moi aussi, c'est joli dehors. Je saute. Faut sauter. C'est une phase de plateforme. Oh putain. Ah bah merde en fait. Marcher prudemment. Ah ouais, bah j'ai sauté comme un con. Eh, mon lapin! Mon lapin, il est tombé. Attends, parce que moi je suis tombé comme un trou du cul. Ouais, mais mon lapin, il est tombé. Ah, mais faut aller sur les côtés. Oui. Ah putain. Ah! Ah! Non, j'ai rien fait, je vous jure. Il a quoi lui? Chaise, protège-moi chaise. Quelques coupures et contusions. Bah tiens, tu m'étonnes, il vient de péter une vitre avec une chaise. C'est quoi? Oh putain, j'aurais pas dû le toucher ça. Y a une porte qui est ouverte. Est-ce que ce sera mon tour? Ne me suis pas montré réservé. Y a une fenêtre qui est ouverte et je suis rentré dedans mec. Bah y a un objet sur une table, ça fait bizarre. Les ouais, moi aussi. Oh, j'ai la même chose. Quand tu fais tellement pour toi, je n'ai rien en retour. Ça dure 10 siècles d'où je viens, les hommes de Gaspi. Enfin, c'est genre. Ok. D'accord, apparemment, c'est quelque chose qui est marqué autour. Ah, il y a une pièce. Ah non, c'est parce que c'est. Mec, je suis rentré dans une salle. Bah, on est rentré dans la même, je suis con. Mais t'as continué? Non, enfin, je t'attends si tu veux. Je me protège. Non, mais j'y suis dans la salle. Oula, j'ai vu un truc bouger là-bas, je crois. Oh yes! J'ai rempli ma lanterne. Où ça? Ah oui. Moi aussi, je l'ai remplir. J'ai ramassé une tige du cycle d'écoulement. C'est dégueulasse. Cycle complet. Ah, y a une salle avec un éboulement encore. Ah, y a un coffre. Ah, y a des boîtes de Mamadou. Putain. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Maintenant, on fait quoi? Putain. Faut faire quoi? Y'a pas un genre de passage secret? C'est trop bizarre. Eh, elle était pas par terre, elle. Si, je suis juste en train de psychoter, en fait. Attends, ah oui, ça, faut les péter, c'est marrant. De quoi? Ah non, ça fait pas. Bah, je sais pas, au début du jeu, j'avais un truc comme ça sur une table, je l'ai pété, ça fait... Et voilà. Mais là, ça a rien fait. C'était, je sais pas, une sorte de vase, je sais pas ce que c'est... Bon, attends, c'est peut-être une énigme. Attends. Décélérateur d'urgence. Sur mon tour, ne me suis pas. Attends, ne me suis-je. Ah, me suis-je pas. Mon très réservé. Ma patience a duré des siècles. D'où vient les hommes? Ne gaspillent pas un souffle en vain. Toi, je n'ai rien en retour. Agrippa. Je t'ai fait confiance. C'est moi qui en tout. C'est cette porte. Ah, il faut traverser une porte, peut-être.
C'est un genre d'énigme. Ah oui, ça, il l'a vraiment passé, la porte traversée. Faut faire quoi? Utilisation d'énergie de vapeur pour l'élévation. T'es où? Où c'est? Tu vois ça? Schéma Tu de vois ça? l'ascenseur. Eh, je te rappelle qu'il faut ramener un truc pour faire remonter l'ascenseur. Ouais, Contrôleur de mais... chambre. C'est sur les murs, en fait. C'est tout ce qui est accroché sur les murs. Plan de rénovation de l'ascenseur. Ah ouais. Ah, mais y a des trucs, là. Attends. Y'a quoi? Y'a genre des rouages et tout. Ouais, mais justement, on peut pas les prendre. Apparemment, ça a été des outils de torture. Oh merde. Faut faire quoi? C'est pas ce qu'il faut faire, ouais. Attends, je vais allumer un peu de lumière parce que là c'est chiant là. Utiliser la truc. Voilà, hop. J'ai tenté de péter une vitre, mais ça a pas marché. Je vais essayer aussi. Mais... On fait quoi? Attends, j'ai l'impression d'avoir un obus bizarre. Un obus? Ah non, mais en fait c'était juste un vase. Peut-être, je sais pas, un truc derrière tous ces livres à la con. Je sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Pareil. Eh bien écoutez, je pense que ça va être le moment de se laisser. Ouais, on va surtout chercher les solutions internet. Non. Attends, on peut descendre. Ah non, bah non, on peut pas descendre en fait. Faut peut-être revenir sur ses pas, non? Je sais pas. Oh oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ah ouais? Oui. Bon, et eh ben écoutez, moi je vais couper la vidéo. Oui, moi aussi. Donc, merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à aller voir le point de vue de Yelda sur sa chaîne. Voilà. Et allez, à la prochaine, salut à tous. Un nouvel épisode. Bye. Ouais, salut.